Une cérémonie à Dharamsala, en Inde, pour marquer les 25 ans du prix Nobel de la paix décerné au Dalai Lama. Depuis plus d'un demi-siècle, c'est ici que le chef des Tibétains en exil lutte pour leur cause. Les négociations avec la Chine n'ont pas permis de progrès notables et les espoirs du chef spirituel reposent désormais sur le président chinois Xi Jinping. À Paris, il a publiquement dit que le bouddhisme représentait une partie importante de la culture chinoise. Et ensuite, à New Delhi, il en a reparlé et il a redit ça. C'est quelque chose de très nouveau qu'un dirigeant du Parti communiste s'exprime sur la spiritualité. Alors nous verrons, j'ai un peu d'optimisme, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. 55 ans après l'invasion de ce territoire himalayen par la Chine, les dirigeants du Tibet aspirent pacifiquement à un statut d'autonomie. Mais ces dernières années, des dizaines de Tibétains se sont immolés par le feu, révélant un sentiment de désespoir chez une partie de la population. Certains réclament une indépendance totale et une approche plus radicale. Des méthodes de militantisme non violent, beaucoup plus agressives et de confrontation peuvent être proposées et défendues, comme ce que Gandhi a fait lui-même et qui lui a valu la prison. Ça avait entraîné une mobilisation massive à travers l'Inde. Ces méthodes de désobéissance civile peuvent être utilisées en Chine et aussi au Tibet. Alors que la Chine utilise sa puissance économique pour faire pression sur les diplomaties étrangères, le soutien international pour le Tibet faiblit. Cette année, la Norvège, qui lui avait attribué son prix Nobel, a snobé le Dalai Lama, tandis que le gouvernement sud-africain a refusé de lui délivrer un visa. Pour les dirigeants tibétains, le salut ne pourra venir que de l'intérieur. Maintenant, la troisième génération de Tibétains est arrivée au Tibet. Ces jeunes n'ont pas vu le Dalai Lama. Ils n'ont pas non plus rencontré les dirigeants en exil. Mais leur sens d'appartenance à l'identité tibétaine, leur sens du dévouement, de détermination, d'engagement pour la cause tibétaine sont très forts. Même si le Dalai Lama a abandonné son rôle politique, pour les Tibétains, cette personnalité respectée galvanise le mouvement pacifiste contre la domination chinoise. Difficile de savoir à quoi ressemblera la lutte une fois qu'il aura disparu.